grand bonjour à chacun. Merci d'être venu ici ce matin pour célébrer les uns avec les autres la gloire de notre Seigneur et aussi son amour dont on va chanter l'immensité déjà en prenant ensemble le premier cantique de notre journée. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Nous nous levons. Ta gloire soit révélée, pour que ton amour soit célébré, Seigneur. Amen. Prenons place. Je ferai une première lecture dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 14 à 19. Je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. «
notre société, je l'avais rappelé, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, est le rassemblement de tous ceux qui la forment. Nous la formons, nous tous qui sommes là, avec beaucoup d'autres autour de nous. Et le constat que l'on fait parfois est celui de l'absence d'amour dans notre société. Ce constat est problématique en premier lieu quand on le fait comme si l'on regardait la société de l'extérieur, sans vraiment en faire partie. On en voit d'abord les défauts, et parfois même exclusivement les défauts, comme si l'on était soi-même parfait, bien sûr. Or, nous sommes dans la société puisque nous la formons. Ce défaut d'amour, cette carence en amour, qui est une carence réelle, malgré tout, malgré le regard biaisé que nous avons sur la société, cette carence, ce manque, a deux origines profondes. D'abord, il y a la dimension humaine. Parce qu'on ne sait pas toujours aimer l'autre. Nous sommes tellement tournés vers nous-mêmes. Et parce qu'on ne sait pas accepter qu'on nous aime aussi. L'orgueil ou bien des traumatismes passés favorisent cette incapacité à se sentir aimé. Et après la dimension humaine, il y a aussi ce besoin universel, je crois, de transcendance que l'on trouve de moins en moins dans la société. Ce que j'appellerais la dimension divine dans notre réalité ce matin que nous partageons dans la réalité de l'Église. Il y a beaucoup moins cette dimension-là présente dans notre vie. Nous avons parfois du mal à percevoir que Dieu est amour, car cela semble incompatible de parler de l'amour de Dieu alors même que la souffrance est partout autour de nous. C'est même le reproche qui est souvent fait par les incroyants. Mais quand cette hésitation à parler de l'amour de Dieu vient de nous, elle est liée à notre incompréhension de son amour. L'amour de Dieu est bien présent. Simplement, nous ne le comprenons pas toujours. On trouve dans ce texte que j'ai lu, là, d'Éphésiens 3, un beau verset biblique sur l'amour de Dieu. Et Paul affirme que cet amour est si parfait qu'il est bien difficile de le cerner. Il en parle un peu mystérieusement en prenant des images. José Carlos, est-ce que tu pourrais me remettre le verset 18, s'il te plaît? Non, pas l'image. Voilà. Vous serez à même de connaître... Oui, c'est celui-là. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Vous voyez, large, long, élevé et profond. Alors, Paul nous parle de quelque chose qui est dans quatre dimensions et qu'on n'a pas l'habitude de manipuler. La largeur, la longueur, l'élévation, la hauteur, si vous voulez, et la profondeur. Il parle des quatre dimensions de ce qui nous dépasse, de ce qui est infini pour nous. Alors, on a aperçu cette image. J'aimerais qu'on la revoie maintenant, s'il te plaît, si tu peux nous la projeter. L'image du Tesseract. Alors, Tesseract, je pense que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. C'est T-E-2-S-E-R-A-C-T, Tesseract. Un nom anglais, probablement, puisqu'il n'y a pas de E à la fin. C'est une image que je vais vous expliquer, qui est un peu partielle sur l'affichage, mais je vais compléter là où il manque des traits. Comment, par contre, donner des dimensions à ce qui est plus grand que ce que notre esprit peut comprendre et manipuler couramment? Comment donner des dimensions aussi à l'amour de Dieu, j'en parlais, qui de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain, et nous l'avons tous chanté, et qui est plus grand que les espaces, nous l'avons dit aussi. Eh bien, Paul a choisi un espace à quatre dimensions pour représenter la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu, ce qui va au-delà, bien sûr, de ce que nous connaissons nous-mêmes. Voilà, donc, dans nos pensées, quand on parle de l'amour, quand on voit ce texte de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 3, eh bien, c'est le grand écart entre un Dieu que l'on ne peut comprendre dans toute sa plénitude et un Dieu qui s'est fait connaître à nous, au contraire,
que l'on peut comprendre, que l'on a tous rencontré, je crois. Un Dieu qui s'est fait homme dans la personne de Christ, qui s'est mis à notre portée. L'infini de l'amour de Dieu a revêtu quelque chose dans notre espace de vie aujourd'hui, qui est le Christ, le Seigneur. Pourquoi est-ce que Paul insiste sur cet amour ? Eh bien, pour que chacun dans sa vie, fortifié par l'Esprit et habité par le Christ, découvre la plénitude de l'amour de Dieu et qu'ensuite cet amour se traduise en actes et en paroles. Alors, je vous ai dit que j'allais vous expliquer cette image. Ce n'est pas bien compliqué, après vous avoir dit que ça nous dépasse largement. Il nous manque des traits. Je vais dessiner, pardon pour le bruit. Enfin, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas les dessiner réellement sur le mur. Mais tous les points qui sont extérieurs ici sont reliés les uns aux autres quelque part, de sorte que quand on regarde cette image de l'extérieur, alors j'en suis très proche, c'est donc compliqué, si on relie ces traits extérieurs, on arrive à former un cube de la même manière que ici, vous voyez certainement un cube se dessiner en trois dimensions. Donc vous avez un cube ici, un petit cube, et à l'extérieur, vous avez aussi ce qui va former un grand cube si on rejoint tous les points entre eux. Alors, de manière plus imagée, c'est-à-dire plus terre-à-terre, j'allais dire, j'ai amené trois choses ici. La première, c'est un stylo. Alors, un stylo, c'est une droite. Ça symbolise une droite. Et s'il y avait un petit bonhomme qui se trimballait sur le stylo, il serait sur cette droite-là, toujours dans le même mouvement. D'accord ? Ça, c'est une image en une dimension. Ensuite, j'ai apporté là pour symboliser un plan, un CD, tout simplement. Et quand je regarde mon stylo, une dimension de haut avec ce plan-là, vous voyez, je vois moi, vu d'ici, vu d'en haut, je vois une droite simplement. Rien qui dépasse. Vous voyez un plan, mais moi, je vois une droite parce que je regarde au-dessus. Et c'est la même chose quand je mets ça sur la table et que je place ce cube-là, qui est mon premier cube que vous voyez clairement dessiné là sur l'écran. Je le place ici. Moi, je vois un carré qui est là, ici. Et donc, ça, c'est ma dimension 1. Ça, c'est ma dimension 2. Et ça, un cube, eh ben, c'est en trois dimensions. Pour les matheux, si vous avez des petits souvenirs de l'école, vous avez un triple axe X, Y, Z. C'est tout bête. C'est tout bête, je vous disais. Sauf que Paul a compliqué les choses. Il a rajouté une quatrième dimension. Et là, on ne peut pas vraiment comprendre ce dont il s'agit. Parce que nous, quand nous nous déplaçons, nous nous déplaçons dans un système en trois dimensions. Je vais tout droit, je tourne à gauche, éventuellement, je monte au premier étage. J'ai trois dimensions. Mais quatre dimensions, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en dehors de notre propre compréhension. Eh bien, cette image-là, c'est la représentation d'un objet en quatre dimensions sur une surface plane qui est le mur ici. C'est une représentation, ça nous dépasse quand même parce qu'on n'arrive pas à comprendre dans notre intelligence quelle est l'immensité de cette image en quatre dimensions. Eh bien, l'amour de Dieu est comme cela. L'amour de Dieu, c'est quelque chose que l'on voit dans la vie courante, mais l'amour de Dieu est bien plus important que cela. De loin, il surpasse ce qu'on peut dire un être humain, ce que nous pouvons en dire. Il est plus grand que les espaces. C'est presque incompréhensible. C'est infini, mais dans une dimension qui nous est complètement étrangère. Nous n'arrivons pas vraiment à comprendre l'immensité de l'amour de Dieu. Et c'est cela que Paul développe dans Éphésiens chapitre 3. C'est l'immensité de cet amour et il en décrit la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur dans quatre dimensions. Ce qui est quelque chose d'incroyable, difficilement abordable pour notre esprit. Alors, Paul insiste largement et lourdement
sur cet amour de Dieu pour que nous puissions tous, nous-mêmes, dans notre vie, être fortifiés par l'Esprit, être habité par le Christ et découvrir la plénitude de l'amour de Dieu et qu'ensuite cet amour se traduise en actes et en paroles. Et comme le problème du manque d'amour que nous vivons et tout autour de nous vient certainement d'une mauvaise connaissance de l'amour de Dieu, Paul en fait véritablement donc le centre de sa réflexion. Et je vous propose de reprendre la première strophe du cantique que nous avons chanté tout à l'heure en commençant, « L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain ». Première strophe et refrain. L'amour de Dieu de loin surpasse. Chose que l'on ne comprend pas, cette quatrième dimension qui nous échappe, mais ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas qu'il n'est pas réellement existant, cet amour-là, bien sûr. Et il n'échappe à personne que nous ne vivons pas encore dans un monde qui est totalement rempli d'amour, et bien heureux quand même sommes-nous de comprendre que l'amour de Dieu est sans fin, qu'il n'a pas de limite. Il n'empêche qu'aujourd'hui, donc, la souffrance nous atteint comme elle atteint l'ensemble de l'humanité. Et d'ailleurs, nous lisons ceci dans Marc, chapitre 8, verset 34. Jésus appela la foule, ainsi que ses disciples, et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et dans un autre verset de l'évangile de Luc, « Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Alors il y a, vous l'avez vu là, un appel à se charger de la croix de Christ et à le suivre. Une mauvaise interprétation de ce verset pourrait nous faire croire qu'il est normal pour nous de souffrir lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes disciples, et même que nous sommes contraints de souffrir pour suivre le Seigneur. Eh bien, le prochain chant va remettre droite nos pensées. Il ne s'agit pas pour nous de mourir sur la croix comme Jésus, il ne s'agit pas comme un but en soi-même d'endurer des souffrances, mais d'un encouragement à suivre Jésus avec fidélité et détermination, même si la souffrance est sur notre chemin. Donc nous allons entonner les deux prochains chants, le premier comme une réponse à l'appel du Seigneur, donc un chant de consécration, et le deuxième comme une prière qui exprime notre besoin d'être accompagné par le Seigneur, et en même temps notre foi. La voix du Seigneur m'appelle. Nous chantons ensemble. Je réponds.
Vers le cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu et du Dieu vivant. Nous avons besoin de notre Seigneur et en même temps, nous lui exprimons notre foi en lui. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix. Après le prochain chant qui sera « Ô, prends mon âme », nous allons consacrer un temps à la prière libre, sûr de l'amour de Dieu qui donc n'a pas de fin, n'a pas de limite dans l'espace non plus, même dans un espace à quatre dimensions. Nous le considérons comme source de vie et de paix. C'est notre Seigneur. Nous exprimons notre besoin profond d'être accompagnés par Dieu sur le chemin de la vie. Nous partageons nos préoccupations avec Dieu. Nous trouvons du réconfort dans sa présence. Nous recherchons l'appui divin pour faire face aux défis de notre vie. Nous demandons à Dieu d'être notre soutien. Dans le livre des psaumes, je lis ceci. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. En restant assis, je vous propose de chanter ensemble ce cantique de consécration, cette prière
Ô, prends mon âme, et que ta flamme brûle en mon cœur. Pardon. Ensemble, nous chantons. Seigneur. Seigneur, ton amour est infini, cela nous réconforte dans notre vie, Seigneur, dans tous les éléments de notre vie, dans notre marche. Et dès que nous sommes debout le matin, nous pouvons être assurés de la présence, de ta présence et de ton soutien par ton amour pour la journée à venir. Alors nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous donnes quelque chose qui nous entoure complètement, qui est au-delà de notre imagination, Seigneur. Nous n'arrivons pas bien à le cerner, nous n'arrivons pas toujours à imiter cet amour, Seigneur, et à le transmettre autour de nous, mais nous savons, Seigneur, que tu es là avec nous et que tu nous conduis. Amen. Thank you.
Vous connaissez peut-être le récit de la consécration de Samuel. Dieu l'appelle par trois fois pendant la nuit et il ne comprend pas. Je lis simplement ce qui se passe après ces trois appels. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 9, « Va, couche-toi, dit Élie, qui était avec lui, à côté de lui, et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Eh bien, nous voulons aussi nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, c'est l'histoire de chacun de nos jours, et c'est aussi notre histoire aujourd'hui. Et donc, dans quelques instants, je laisserai la place à John pour le message du jour. Et en attendant, auparavant, donc, nous allons chanter ensemble « Seigneur, en silence, je suis devant toi, à ton écoute ». Place. Merci Pascal. Ce matin, j'aime parler un peu de l'unité dans le Christ. Cette semaine, et dans le monde entier, de nombreux chrétiens se sont réunis pour prier pour l'unité des chrétiens. Être unis, être ensemble, alors que nous cherchons à vivre en tant que chrétiens. Le Seigneur m'a mise à cœur de considérer l'importante vérité de l'unité. Dans le peu de temps que nous êtes impartis ce matin, il serait impossible de couvrir l'ensemble du sujet.
mais j'aimerais interpeller nos cœurs et nos modes de vie en considérant ce sujet de l'unité chrétienne. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Marie-Claude et moi avons eu le privilège de visiter une fois de plus les États-Unis. Et en plus de rendre visite à notre famille, nous voulions visiter Washington. C'est une grande ville historique et c'est là que le fondement des États-Unis d'Amérique a été posé. En visitant le Capitol Hill, nous sommes tombés sur cette phrase. Et lorsque je l'ai vue, j'ai dit à Marie-Claude, et voilà le base d'un message pour la nouvelle année. La phrase était en latin. Peut-être tu affiches, José Carlos, s'il te plaît. Oui. Ça veut dire. Il y a des latinistes entre nous aujourd'hui? Non? OK. Ah. C'est pas clair. Bon, ça c'est l'excuse de Guy, c'est pas clair. Mais bon. Traduit littéralement par de plusieurs un seul. De plusieurs un seul. Et la devise initiale des États-Unis, adoptée par une loi de Congrès en 1782, la devise fait référence à l'émergence d'une nation unique à partir de l'union des 13 colonies d'origine et figure sur le grand sceau des États-Unis. Une seule nation à partir de plusieurs. Aujourd'hui, pour moi, l'Église est un merveilleux modèle pour exprimer l'unité que nous avons en Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous faisons tous partie de l'Église universelle, ce qui est vrai pour tout croyant né de nouveau dans le Seigneur Jésus. Mais l'intention de Dieu n'a jamais été que nous vivions seuls. Et le Nouveau Testament enseigne clairement que nous devons faire partie d'une église locale et rechercher la communion fraternelle avec d'autres croyants. Pour stimuler nos cœurs ce matin, tournons-nous vers la Bible et voyons ce que Paul avait à dire à l'Église de Galatia à ce sujet. Tournons-nous vers Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Paul dit, « Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers de bien que Dieu a promis à Abraham. Lorsque je regarde notre Église aujourd'hui, je constate qu'elle est incroyablement diversifiée. Nous avons des personnes de différents pays. Nous avons des retraités, des personnes travaillant dans de nombreux disciplines différentes, des étudiants, et je pourrais continuer ainsi. En d'autres termes, un groupe de personnes qui ne se seraient jamais réunies pour une autre raison, si ce n'est que nous sommes unis
dans le Christ. Soulignez-le. Rien d'autre ne nous aurait réunis. Nous n'avons rien en commun si ce n'est Jésus-Christ. Au cours des 6 années pendant lesquelles nous avons fait partie de l'Église ici, nous avons développé des amitiés, devenant proches de plusieurs façons, mais notre unité dans le Christ est au-dessus de tout. C'est une unité surnaturelle forgée par le Saint-Esprit. Pour moi, faire partie de ce groupe n'est pas seulement un privilège, mais en tant qu'individu et en tant que couple, c'est un immense privilège de faire partie de cette communauté, voir l'unité dans la diversité qui est l'Église. Ne nous faisons qu'un avec toutes nos différences. Nous sommes un seul corps dans le Christ Jésus. C'est ce que décrit notre texte. Un peuple d'une incroyable diversité, uni dans le Christ, fait un dans le Christ. Regardons à nouveau notre texte, mais maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus sous tutelle, car dans le Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet, tous ceux d'entre vous qui ont été baptisés dans le Christ ont revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi. Nous sommes tous un dans le Christ Jésus, ayant tous été baptisés par le Saint-Esprit, ayant tous revêtu le Christ, étant tous devenus fils de Dieu, et donc héritier de lui. Il s'agit là d'un élément central de l'Évangile. Aussi étonnant que soit cette vérité pour nous aujourd'hui, elle était encore plus lorsque Paul a écrit aux Galates. En effet, à cette époque, de nombreux Grecs remerciaient les dieux d'être nés humains et non bêtes, grecs et non barbares, libre et non esclave, homme et non femme. En revanche, Paul déclare que vous soyez juif, grec, barbare, homme ou femme, que tu sois juif, grec, barbare, esclave, libre, homme ou femme, si tu as la foi en Christ, tu es béni en lui et tu ne fais qu'un avec tous les croyants. Mais que signifie être un? Ce verset a souvent fait l'objet de controverses ces dernières années. Nous devons donc considérer à la fois ce que ce verset ne signifie pas et ce qu'il signifie. Tout d'abord, être un en Christ ne signifie pas que nous abolissons toutes les distinctions. Dieu nous a créés tous différents, chacun avec son ADN spécifique. En Christ, nous sommes un, même si nous maintenons des distinctions. En effet, dans l'état éternel, nous conservons nos identités aussi. Jean écrit dans l'Apocalypse, « Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. » Comment Jean a-t-il su qu'il était des tribus et des nations différentes?
ils ont maintenu leur distinction. Ils étaient différents les uns des autres. Ils étaient un, ils formaient une unité, mais une unité faite d'une grande diversité. Le Christ n'abolit pas nos distinctions. Deuxièmement, le fait d'être un en Christ ne signifie pas nécessairement que nous nous sentons proches les uns des autres. Se sentir proches les uns des autres, bien sûr, est un bon choix. C'est biblique, c'est même quelque chose l'on doit s'efforcer d'attendre. Mais Paul ne dit pas « Vous vous sentirez tous unis dans le Christ Jésus ». Il ne dit pas « Les groupes qui se détestaient jusqu'à présent n'eront plus jamais différents ». En effet, dans le Nouveau Testament, nous voyons parfois des conflits entre différents groupes. Par exemple, en Galates 2 et en Actes 6, et l'autre jour, Pascal avait touché un peu sur ce sujet des conflits. Au contraire, la diversité des cultures conduit parfois à des attentes différentes les unes des autres, ce qui peut entraîner des tensions et des frictions. Il y a des moments où nous sommes en fait un, alors que nous n'avons pas l'impression d'être un. Mais l'absence de sentiment n'annule pas l'unité que Dieu a créée en Christ. Enfin, être un en Christ ne signifie pas que nous sommes un avec chaque personne qui se dit chrétien. Comme le dit Galates 3, verset 26, nous sommes fils de Dieu par la foi. Et il ne s'agit pas simplement d'être d'une manière générale une personne de foi, ou même de dire « Seigneur, Seigneur » à Jésus. Il s'agit de la foi dans le Christ de l'Évangile. Un Dieu saint a créé l'homme pour sa gloire. Pourtant, l'homme n'a pas été à l'auteur de cet objectif. Au lieu de cela, nous avons méprisé Dieu, cherchant la joie et la satisfaction ailleurs. Mais Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir sur la croix pour payer la peine de nos péchés. Les bienfaits de cette mort sont accessibles à tous ceux qui répondent par la foi en disant « Je mérite ton châtiment, sauvez-moi par le sang de Christ, mon seul espoir. » Quiconque ne croit pas cela n'est pas en Christ et ne fait pas partie des croyants, quelle que soit l'étiquette qu'il se donne. Rappelez-vous que tout au long du livre de Galates, Paul s'oppose à ses adversaires qui prêchent un autre évangile, qui n'est pas de tout un évangile. Ses adversaires se disent chrétiens, mais Paul affirme que cet évangile n'est même pas au salut. Paul dit même que ceux qui prêchent un tel faux évangile sont maudits. Paul n'est donc pas en train de dire ce que vous croyez n'a pas d'importance. Soyez simplement sincères. Ayez la foi et alors vous serez un dans le Christ Jésus. Mais maintenant, les choses positives. Un dans le Christ signifie quoi? Premièrement, être un en Christ signifie que nous sommes un, même si nous avons des différences de doctrine. Tous ceux qui sont en Christ, qui sont sauvés par la grâce de la foi en Christ, sont un. On sait nous sommes un, que nous le voulons ou non, avec certains avec lesquels nous avons des désaccords sur des sujets importants. Des questions telles que le baptême, les dons du Saint-Esprit peut-être, la politique de l'Église et bien
d'autres encore. John Newton, un écrivain anglais du 18e siècle, a magnifiquement abordé cette question dans une lettre adressée à un ami engagé dans une controverse doctrinale. Il écrit: si vous le considérez comme un croyant, bien qu'il se soit lourdement trompé sur le sujet que vous oppose, les paroles de David à Joab au sujet d'Absalom sont tout à fait applicables. Traitez-le avec douceur à cause de moi. Le Seigneur l'aime et le supporte. C'est pourquoi tu ne dois pas le mépriser ni le traiter durement. De même, le Seigneur vous supporte et attend de vous que vous fassiez preuve de tendresse à l'égard des autres, car vous savez que vous avez besoin de beaucoup de pardon. Dans peu de temps, vous vous rencontrerez au ciel, et vous, il vous sera alors plus cher que ne l'est aujourd'hui l'ami le plus proche que vous avez sur terre. Anticipez cette période dans vos pensées, et bien qu'il vous trouviez nécessaire de vous opposer à ces erreurs, considérez-le personnellement comme une âme sœur avec laquelle vous serez heureux en Christ pour toujours. Beaucoup de vérité et de sagesse dans ces mots. Ensuite, être un en Christ signifie qu'il n'y a pas de cow-boy entre guillemets solitaire parmi les chrétiens. Rappelez-vous la légende de cow-boy solitaire, un homme dans le West sauvage en dehors de la communauté, seul, qui se rend dans une ville pour s'occuper de personnes malveillantes et qui disparaît ensuite à nouveau isolé. Certains chrétiens, malheureusement, pensent au salut en ces termes. Dieu m'a sauvé, alléluia. Je l'ai, donc je n'ai besoin de personne d'autre. Je posais la question, si vous vivez ainsi, comment pouvez-vous montrer le fruit de l'Esprit Saint, l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi? Oui, Dieu t'a sauvé en tant qu'individu, mais il t'a sauvé en Christ. Il a fait de vous un en Christ avec tous les autres croyants authentiques. Vous êtes réconciliés avec Dieu en Christ. Et en Christ, vous êtes mis en relation avec d'autres croyants, comme le dit Paul dans la lettre de Corinthiens. En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Ensuite, être un en Christ signifie que nous avons tous un accès égal à Dieu. Dans le monde qui nous entoure, l'accès aux biens et services désirés n'est pas égal. Nous sommes constamment tentés, mais certaines choses sont souvent hors de portée. J'aimerais peut-être conduire une Ferrari, mais pour accéder au groupe de propriétaires de Ferrari, il me faudrait un énorme compte en banque. Ou encore l'acceptation dans un groupe social. Souvent, nous devons
porter certains vêtements, parler un certain jargon, une certaine langue, avoir un certain âge peut-être, nos coiffures d'une certaine manière, sinon nous ne sommes pas acceptés, pas cool, pas cultivés. La plupart des religions conçoivent l'accès à Dieu de la même manière. Nous n'y avons accès que si nous appartenons à un certain groupe, ou sinon, aussi nous nous comportons d'une certaine manière. Mais Paul dit, tout le monde a accès à Dieu par la foi en Dieu. Tout le monde a accès à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas de distinction avec notre Dieu. Juif ou païen, le message est le même. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Esclave ou libre, le message est le même. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Homme ou femme, le message est le même. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Aucun groupe, aucun individu n'a de voie privilégiée vers Dieu. Tout vient de la même manière, humblement, en se repentant. Ensuite, le fait d'être un non-Christ signifie qu'il n'y a pas de différence dans notre position devant Dieu. Nous venons de parler de notre accès à Dieu. L'accès est lié à la manière dont nous entrons initialement en relation avec Dieu. Ce point, notre position, concerne notre statut une fois que nous sommes en relation avec lui. Pensez de la manière suivante. Sur un vol international, les passagers sont répartis entre la classe économique, la classe affaires et la première classe, toutes sur le vol pour la même destination. En classe économique, les passagers sont entassés les uns sur les autres, le siège s'incline à peine, les bagages sont entassés autour de vos pieds et malheureusement, la personne assise à côté de vous peut finir par dormir sur votre épaule. Génial. Si vous voulez bouger, aller aux toilettes, peut-être sentir une merveilleuse odeur d'ail rassis provenant du déjeuner qu'il a pris avant l'embarquement. En classe d'affaires, les sièges sont plus larges. Il y a de l'espace pour les bagages et la nourriture et de meilleure qualité. En première classe, les sièges s'inclinent complètement. La nourriture est excellente et les hostesses de l'air vous chuchotent. Tous les passagers sont dans le même avion avec la même destination. Pourtant, leur position diffère considérablement. Il n'en va pas de même dans notre relation à Dieu. Il n'y a pas de chrétien de première classe ou de chrétien de classe économique. Oui, bien sûr, nous avons des rôles, des responsabilités et des dons différents au sein de l'Église. Mais notre position devant Dieu est la même. Nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes un en Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Les bénéfices que nous récoltons proviennent de la justice de Christ, pas de la nôtre. Notre position dépend de son œuvre, pas de la nôtre. C'est pourquoi il n'y a pas de différence de position. Il n'y a pas de distinction devant Dieu. Il est le même pour tous ceux qui sont en lui.
Il n'y a donc aucune différence dans notre position devant Dieu. Enfin, être un en Christ signifie que nous sommes réellement un en Christ, c'est-à-dire que notre unité essentielle ne dépend pas de notre comportement. Nous sommes vraiment un, que nous le vivions ou non. Paul ne dit pas « Il ne devrait y avoir ni juif ni païen ». Il dit « Il n'y a ni juif ni païen ». Il ne dit pas « Il ne doit y avoir ni esclave ni homme libre ». Il dit « Il n'y a ni esclave ni libre ». Il ne dit pas « Cherchez à être un en Christ ». Il dit « Vous êtes tous un en Christ ». Il s'agit là d'un point central de l'Épître aux Galates. Le salut ne consiste pas à se conformer à un ensemble de règles, à devenir suffisamment bon par soi-même pour mériter le privilège d'entrer dans la présence de Dieu. Le salut, c'est d'être en Christ, d'avoir le Saint-Esprit en soi. Et si c'est le cas, vous ne faites qu'un avec tous les autres croyants. En conclusion, posons la question suivante. Vivons-nous comme un seul corps en Christ? Sur la base de l'unité spirituelle qui est réellement la nôtre, l'Écriture nous ordonne d'agir comme si nous étions un. Vous êtes un, alors vivons comme tel. Je vous le demande donc, entre croyants, vivez-vous comme un seul corps? Vivez-moi comme un seul corps à l'égard de vos co-religionnaires en Christ localement? Êtes-vous attaché à une église locale? Ou bien votre vie chrétienne ressemble-t-elle à une visite au centre commercial? Prenez-vous des morceaux ici et là? Prenez-vous dans une communauté ce qui vous convient, puis faites-vous vos courses dans une autre communauté pour un autre morceau savoureux. Faisons de façon de cette idée d'unité, d'une réalité dans notre vie. L'unité dans le Christ que nous avons, dans la diversité est belle. Travaillez par Dieu pour sa gloire. Nous vivons cela, vivons-le de plus en plus à travers notre communauté chrétienne ici à Bergerac. Et avec moi, élargissons cette idée. Vous souciez-vous de vos frères et sœurs en Christ, ceux qui ne font qu'un avec vous en Christ dans le monde entier? Vous souciez-vous de ceux qui souffrent de la guerre, de la maladie et de la persécution? Vivez-vous comme si vous ne faisiez qu'un avec eux? Nous sommes un dans le Christ aujourd'hui, par sa grâce. Puissions-nous vivre comme tel. Amen. J'aime nous chantons ensemble en Jésus seul, parce que notre unité, la base de notre unité, c'est en Christ. Levons-nous pour chanter ensemble en Jésus seul. Seul est mon espoir, vive la lumière.
Merci, vous pouvez prendre place. C'est le moment des annonces et avant de commencer à proprement parler de ce moment-là, je vous rappelle que vous pouvez déposer votre offrande aux endroits ici, à droite et là, vers la porte de la sortie, aux endroits désignés. Donnez selon ce que votre cœur vous dit, afin que le Seigneur lui-même se réjouisse de votre don. Annonce aujourd'hui à midi le culte des jeunes. Vendredi prochain, l'AFG, donc le groupe anglophone chez Peter, donc allez vous adresser à lui si vous voulez d'autres renseignements, il est là au fond de l'église. Et puis, vendredi après-midi, rencontre au féminin ici même, je suppose, à 14h. Et samedi, répétition de l'équipe de louanges. Et c'est tout. Et dimanche prochain, il y a sûrement un culte à 10h30. Vous pouvez venir à l'avance. À 10h, si vous voulez. Vous pouvez venir à 9h30 pour prendre un café aussi. Monsieur le Président. Artefact. Tesseract. Voilà, raté. Mais j'ai compris le cube. Enfin, ouais. Donc c'était bonjour. C'était pour vous donner un petit. Ah oui, on avait dit pas de blague. Un petit compte rendu du conseil. Au mois de mars, il y aura l'assemblée générale ordinaire. Donc ça, c'est ce qui occupe une grande partie des discussions du conseil. Pour cette assemblée générale ordinaire, il y a 3 membres du conseil en place qui arrivent au terme de leur mandat. Les 3 acceptent de se représenter. Mais c'est là que rentre en jeu de nouveau notre superbe règlement intérieur. Donc, Joseph et Stanislas vont vous solliciter, tous les membres de l'Église. Vous allez être sollicités pour que vous puissiez proposer des noms que vous souhaiteriez voir rentrer au conseil. Donc voilà, Joseph, vous allez avoir un mail qui va arriver pour ceux qui sont membres et avec la liste des personnes que vous pouvez proposer pour entrer au conseil, être soumis au vote lors de l'Assemblée Générale, puisque les gens qui sont au conseil sont élus par vous et représentent les membres de l'Église. Voilà, il y avait ça. Ensuite, les finances, normalement, je commence toujours par les finances, elles vont bien, forcément. Enfin, les offrandes sont à peu près proches du niveau budgété, donc le résultat va être... Bon, donc on n'est pas là pour capitaliser et accumuler de l'argent. Notre union d'église a des besoins. On a un engagement vis-à-vis de l'église par rapport à l'achat du presbytère. Donc on a demandé à l'union de voir où on en était par rapport à notre engagement, quel est le montant qu'il reste à honorer d'ici c'était une dizaine d'années. Et l'idée, c'est de les rembourser plus vite. Et que eux puissent profiter de cet argent pour fonctionner dans l'union et aider les églises qui en ont besoin ou qui sont en difficulté aussi à leur niveau. Cette décision-là, donc nous, on a fait évaluer la somme et on vous proposera de voter, notamment à l'Assemblée Générale, le règlement du solde ou pas. C'est vous qui le voterez. Quoi d'autre ? J'oublie des trucs là ou pas ? Ouais. C'est le principal en fait, ça va être sa assemblée générale ordinaire, elle sera le 3 mars à 14h, commencez à y penser. On essaiera de faire une petite rencontre le week-end qui précède, ou si on a des discussions, des sujets, ou si vous avez des questions, qu'on puisse y répondre sans y passer toute l'après-midi en assemblée générale ordinaire, et que l'assemblée générale soit la chose très formelle, et que si on a des sujets à aborder, on puisse les aborder avant. Voilà. Je crois que c'est tout. Je rends la parole à Pascal. Écoutez, comme parole d'envoi, je voudrais simplement vous répéter ce que j'ai lu tout à l'heure. Alors, ça doit être sur ma page ici.
cette parole de l'apôtre Paul aux Éphésiens qui dit que nous pouvons être à même de comprendre par la puissance du Saint-Esprit et par le fait que nous sommes en Christ et avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Et même, je pourrais vous rassurer presque, même si nous ne comprenons pas jusqu'au bout l'infini, ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Donc nous avons l'assurance, c'est écrit dans les textes bibliques, que l'amour de Dieu est infini, qu'il nous dépasse peut-être, mais qu'il est là, bien présent, et qu'il donne sans compter. Je vous invite à prendre un dernier chant avant que nous nous séparions, qui est une bénédiction, que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous. Nous nous levons. Seigneur vous accompagne et vous guide cette semaine. Amen. À bientôt.